précédemment, dans Hardline. Les avions volent, les drogues tombent. Qui a monté l'opération? Un connard du nom de Rémy Nelt. Nelt, baissez votre arme! J'ai accepté son offre. Vous, Stoddard, prenez tout. Dites Nelt se rendre! Nick, laisse tomber. Avant qu'on coordonne la zone. Oui, votre honneur. Je m'inscris en faux contre votre évaluation basique des faits. Mais je comprends. Merci beaucoup d'avoir pris le temps. C'était l'honorable Naomi Kushner. Que pense-t-on de la juge Kushner dans les parages? Pourrie de gauche. Son Altesse ne me donnera pas de mandat de perquisition pour certains associés de Nelt. Ah, ce n'est pas grave. En temps de guerre, on se conforme aux règles? Capitaine Dawes. Nous trois, on forme un conseil tribal. Et j'ai conscience que dans notre tribu, certains membres posent problème. Il n'a pas pris l'argent. C'était une épreuve. Il fallait que je sache si t'étais fiable. Depuis le tout début, ta partenaire me soutient, Kui. Bon. Si je comprends bien, Nelt a parlé d'un deal avec Stoddard. C'est ça, en effet. Alors retournez au bureau de Nelt et trouvez-moi du concret que je saisisse les affaires internes. Je sais qu'un ouragan approche, inspecteur. Mais le temps presse. Oui, chef. Les experts ont déjà enquêté, mais qu'est-ce qu'on fout là? Ils venaient pas chercher des preuves contre Stoddard. Si on trouve quoi que ce soit, on en réfère direct à Dawes. Si on saisit la police des polices, Dawes réglera le problème. Tu lui fais confiance? Ouais. Si Stoddard tombe, ça ne profitera à personne. Stoddard est véreux, tu le sais aussi bien que moi. Je vais monter la garde. Et toi, vas-y. Trouve-nous des preuves pour le faire tomber. Volontiers. Je vais faire le tour du bâtiment, peut-être fouiller les poubelles. Bonne idée. Mais reste en contact. Tu crois que Stoddard a des potes dans le service? Probablement. Les ripoux se serrent les coudes. Espérons qu'ils n'ont pas trouvé de preuves. Ça me surprendrait pas. Si Stoddard était stupide, il aurait déjà fini en tôle. Quelqu'un l'a déplacé il n'y a pas longtemps. Ok. Je crois que je peux décrypter ce code. Première prise, vendredi 14 août au soir. Je vais voir Stoddard.
trouver des conditions de collaboration qui nous conviennent à tous les deux. À mon avis, c'est tout. Stoddard, je te tiens. Kai, j'ai trouvé un truc. Je descends. Ok, moi je suis en bas dans le conteneur de fret. Nels et Stoddard, les grandes confessions. Maintenant, on a du concret pour les affaires internes. Rémy stockait son cache quelque part. Je parie que Stoddard est aussi à sa recherche. Regarde là. C'est quoi ce truc? Je préfère pas savoir, c'est pas mon domaine. D'après Internet, le seul endroit à Miami à vendre ces trucs, c'est Domo Roboto, à Palm Court, le centre commercial. Il aurait pas caché son fric là. Non, c'est pourquoi j'ai chopé l'adresse de l'entrepôt. Ah, ça mérite une petite virée. Tu veux mon avis? Évite l'entrée principale. Si jamais Stoddard sort sans moi, attends-toi au pire. D'accord, comme d'hab, quoi. Nick, le PC vient de me signaler un van suspect. D'accord? Ouais, d'accord. Mais reste en contact. C'est pas le moment de se taper un cyclone. Je vais te pomper, mon pote. Ça va? Je dis ça pour toi. Je vois deux bâtiments. Truffés de garde. Rappelle-toi ce qu'a dit Dose, Mendoza. T'emmerdes pas à leur lire l'endroit. Bouge pas là! Ok, ok. Là, tu crois vraiment? Suspect recherché près de votre position, 13. Ça a l'air fermé. Passe par le toit. Ouais, bonne idée. Ça venait d'où ça? Vous avez vu ça? Il se passe un truc. Pas qu'un truc.
Y'a rien ici. Je répète, 13 est à terre. Appréhendé. Compris, 13. Les renforts sont en route. Par là, par là. Par là, par là. Allez, chopez-le. Et je dois pouvoir entrer. Montez ! Stoddard, laisse-le parler. Peut-être qu'il dira un truc qui l'incriminera. Messieurs, votre weed, je m'en branle. D'ici 2 ans, ce sera devenu légal, de toute façon. Moi, il y a un seul truc que je veux savoir. Où est le fric de Nelt? Ce fric qui nous l'avait promis, tête de nœud. Ouais, ok. À compter d'hier, je suis le nouveau boss. Vous comprenez ce que ça implique? Imagine que tu bosses sur une enquête et t'as un connard qui s'amène en trappant tout le mérite. Tu dirais quoi? Je dirais... on peut en parler. Alors, qu'est-ce qu'on attend? On y va? Il a emmené plusieurs hommes en bas. Ok, suis-le. Je pourrais écouter votre sirop de grave. Je sais que ce n'est pas la première fois que je...
ressemble pas du tout à Ned. Il a passé des semaines à bosser sa voix. Pendant 3 jours, il nous a fait un truc à la James Mason. James Mason ne ressemble même pas à Ingo. C'est ce qu'on n'a pas arrêté de lui répéter. Enfin, moi, j'aimais bien. Oh, je vois. Tu préfères donc les fraises sur tes gaufres. Ma foi, tous les goûts sont dans la nature. Quoi ? Descends. Il faut que tu suives Stoddard. Arrêtez-le ! État d'arrestation. Ok, ok. On dirait une sorte de terminal de sécurité. Une serre. Oh putain. Et voilà Stoddard. Sorcier.
coïncidence. Trop de bol, ouais. Pose ton arme. Laisse-moi juste s'engager. Tu vas la lâcher, putain! Nick, on peut en parler, tu sais. Nick, je file le train, c'est fumier dans le camion! Négatif! Surtout n'attaque pas! Essaie de découvrir où ils vont! Nick! Merde, c'était quoi ça? Rien. Rien de grave, t'inquiète. Allez, tu pourras pas m'arrêter, ils sont crèves tous les deux! Merde. Allez, maintenant ça! Il est juste là! Appel d'urgence, Mendoza est à terre. C'est quoi ce bordel? Ils ont pas resté là, c'est lui l'opérateur! C'est ça! Sans blague! Je me demande pourquoi! Allez, putain! Aigne-toi, Stoddard! Bouge, Nick! Casse-toi, 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 casse-toi! Là, bonsoir! Je peux pas leur faire t'arrêter! C'est pas comme ça que ça marche! En arrière! Alors on va la chercher. En général, Nels te postait quelques sommes dans le centre, au cas où les choses tourneraient mal. Sans compter les trucs que quelqu'un t'en suivait et tout ce qui se passe en ce moment. Ça va pas être simple. C'est mon équipière. Ah ouais? Ça, c'était mon clou. Super, recherchez près de votre... Alors on y va. Hé, je suis à sec. C'est quoi, ça? Stop! Les mains en l'air! Je le vois! Je jette un œil dans le coin! À l'aide! Le magasin est plutôt loin dans le centre commercial. Alors on va la chercher. En général, Mel se pose quelques sommes dans le centre, au cas où les choses tourneraient mal. Sans compter les types que Kay poursuivait et tout ce qui se passe en ce moment. Ça va pas être simple. C'est mon équipière. Ah ouais? Ça, c'était mon boulot avant. Hé, hey, je pars ici! Tirez-lui dessus! Tuez-le! Thank you.
police. C'est quoi ce bordel? Ok, mets-toi ça, on va chercher Fakoldeg. Et ensuite, je te coffre. Ouais, si tu veux. Quand tu disais qu'ils seraient nombreux. On peut dire qu'on peut sur... Ils donnaient du boulot à la main-d'œuvre locale. Le japonais a pas en train d'être. Il paraît qu'il a planqué de l'argent sur place. Guy! Guy, je t'entends à peine! Je sais pas ce qu'il raconte, mais ça s'en va aussi! C'était quoi, c'est ça? Quoi ce bordel? Vous voyez ce que je vois? C'est quoi ça? Descendez le pas, bordel! Descendez-le. Désolé, mais grâce à toi, on travaille sans filet. Dis-moi, Nick, tu crois quand même pas que je suis le seul tout pourri de la ville? Non, mais t'es le seul que j'ai attrapé. Et tu m'as pas encore arrêté. Je suis sûr qu'il y a moyen de faire passer ça pour de la complicité. Ouais, cause tout. Nick, donne mon roboto. C'est la boutique de Nels. Ça manque pas de clients. Attendu pour le faire. J'ai besoin de toi tout de suite, Nick. Dès qu'on sera sorti d'ici, on t'emmène direct à la police des polices. Ouais, on va d'abord essayer de sortir vivant.
13, attention, suspect recherché à proximité. C'est de la folie! Attention au vert! Il faut qu'on sorte des clés. Arrête-toi tout de suite. Oh, oh, j'ai compris. Police, t'es en état d'arrestation. Sergent Carl Stoddard, vous avez le droit pour une fois dans votre vie de garder le silence. Tout ce que vous direz pourra être et sera utilisé même contre ça, votre tribunal. Ça suffit. Tout ce que vous devez savoir se trouve là-dessus, capitaine. Laisse-moi deviner, la guerre de la drogue, c'est sa faute. Et il a encouragé un gang à en buter un autre jusqu'à ce qu'il n'en reste plus. Excepté le sien. J'ai des preuves à l'appel qui relient Neltz à un inspecteur Ripou de Miami, mais ça reste flou. Je comptais beaucoup sur vous pour trouver la dernière pièce du puzzle, et vous l'avez fait. Merci. C'est quoi ce bordel ? Eh, hey, Nick, tu sais, je tiens à te remercier de m'avoir sauvé la peau. C'est du beau boulot. Va te faire foutre. Nick, non. Kai. La police des polices trouvera une liasse de billets dans votre appartement. $33,000 pour être exact. Précisément la somme que Nels avait retirée. Donc, la question est de savoir ce que vous avez fait du reste de l'argent, inspecteur. Mais qu'est-ce que vous foutez ? Kai a été au charbon pour vous. Plus d'une fois. Pourquoi t'as pas pris ce putain de pognon ?
C'est de ça qu'il s'agit, alors? On aura essayé, Nick. J'étais certain de te trouver une place parmi nous. Maintenant, tu préfères jouer au preux chevalier, toi. Pas vrai? Tu te berces d'illusions, fiston. Ah.